Ils sont parfois rapides, résistants, voire surpuissants. Tous sont entraînés dans son garage par le double champion de France en titre, Gaëtan Coudeville. Donc là, j'attaque sur les doigts. Après, je reviens sur l'intérieur. Je travaille sur son biceps. Je le laisse repartir. Je retravaille sur ses doigts. Re en intérieur. Re sur les doigts. Re en intérieur. Et tout ça, ça fait que. Pas qu'une histoire de gros biscotto dans ces combats, la technique aussi entre en compte. D'abord pour éviter les blessures, ensuite pour s'amuser lors de la compétition. Chaque samedi matin, bonne humeur, mais aussi rivalité pour ces amateurs qui veulent allier force pure et aussi efficacité. C'est les choses au café en fait, voilà. T'en fais avec des potes, à titator, donc voilà. Tu vois que t'es fort, tu vois qu'il n'y a personne qui te bat. Donc c'est ça qui te motive et c'est ça que tu fais, qui fait que bah, t'as envie de persévérer et puis en faire un peu plus. Ce matin, l'entraînement a un goût un peu spécial. Deux membres du club de Moucron en Belgique sont venus se mesurer aux élèves de Gaëtan. L'occasion d'un match France-Belgique, très serré. Bien joué. En revanche, pour les adversaires de Gaëtan... Vous voyez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si vous êtes très fort en statique et fort à la main, il ne peut rien faire. Ah, m'arrête de parler, je passe pour un con. Il faudra sans doute un peu plus d'entraînement et de détermination pour espérer l'emporter.